C'est elle-même hein, qui avait sollicité ce rendez-vous. Hélène Geoffroy, la maire de Vaux-en-Velin, a été reçue cet après-midi à Matignon, à Paris, reçue par la première ministre Elisabeth Borne, notamment pour demander plus de moyens contre les dealers qui squattent les halls d'immeubles, squat qui pourrait être à l'origine de l'incendie dramatique de vendredi dernier. Écoutez Hélène Geoffroy. J'ai demandé des forces de police, je l'ai demandé de façon régulière et j'ai demandé de façon appuyée encore aujourd'hui qu'il y ait une présence de forces de l'ordre dans les jours, là maintenant et dans les temps qui viennent, y compris pour empêcher l'installation ou le déplacement de points de deal sur ce secteur et de façon générale sur la ville. Et c'est une demande aussi que j'ai formulée très précisément. Puisqu'il y a aujourd'hui, la police nationale est compétente pour traiter cette question-là. Et à long terme, j'ai dit qu'il faut retravailler le volume urbain pour aussi empêcher cette installation. C'est deux volets à travailler. Et j'ai fait une demande formelle. Et je compte bien évidemment avoir les réponses. En tout cas, la première ministre l'a noté avec attention et m'a dit qu'elle me ferait un retour aussi sur cette question de sécurité, en plus de la question urbaine des copropriétés privées.